es plus content de ton résultat ou tu es content d'avoir la possibilité d'être pour quelques jours premier et tout? C'est vrai que j'étais venu chercher au moins le top 5. Donc à la 6ème place, c'est à une près, mais bon, c'est vrai que la première semaine rattrape bien en faisant 4 étapes en tête du Dakar, c'était quand même quelque chose. Et voilà, j'ai prouvé que je pouvais jouer devant. C'est dommage, je pensais avoir l'opportunité de faire le podium cette année. Mais bon, voilà, des erreurs, on en fait pendant le Dakar. Et après, ça s'est enchaîné par 2 jours mauvais après cette erreur de navigation, 2 petites chutes qui me coûtent très cher, je perds beaucoup de temps. Et après, je me suis accroché parce que je suis descendu à 9ème place pour récupérer des places. Et je suis venu 6ème, donc c'est mon meilleur résultat sur le Dakar. Et en plus, avec quand même 4 étapes en tête du Dakar, c'est quand même pas mal. Même si j'ai pas encore gagné d'étape, je pense que pour moi, c'est très bien pour la communication et tout. Donc on verra l'année prochaine si je peux repartir encore dans de meilleures conditions. Ton bras, ça va? Ouais, j'ai 5 points au bras à cause de ma 2ème chute. Ça m'a pas trop gêné au début un petit peu, mais dès que c'était chaud, ça allait. Et voilà, donc très bien, j'espère l'année prochaine.